Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4. J'ai les Tech 21 qui débarquent, plus une conversion à Sopron. Voilà, dans le dernier épisode, on avait fait un épisode très très long, on avait fait plein de trucs, dont des conquêtes dans le sud de l'Empire, enfin le sud de l'Empire, sud le nord de l'Italie, bon, à peu près le nord de l'Italie. Gagnant notre point de stabilité perdu dans le dernier épisode, justement. On était en guerre contre Milan, mais les Mamelouks ont cru bon, pour une raison que j'ignore complètement, de ne me donner aucune promesse de Milan et d'à la place de se récupérer des sous. Peut-être que c'est par égard à ma coalition déjà formée qui se sont dit qu'il fallait pas que je prenne les provinces. En tout cas, ça me plaît pas trop qu'ils se permettent de faire des trucs comme ça. Et il y a Tafilet dans la guerre qui pèse un peu. On a pris le siège du Kef. J'ai espoir qu'ils me donnent les trois provinces côtières de Tunisie. Peut-être que mes espoirs seront vains. Mais en attendant, j'espère. Seule province italienne qui va me rester maintenant, ce sont trois provinces espagnoles. La Sardaigne et une province d'Émilie-Romagne et une de Lombardie à Milan qui survit encore. Enfin, un peu l'irrésistible village gaulois. Bon, je sais qu'ils sont pas gaulois, mais. Côté quoi, la France ne pourra pas rejoindre, la Hongrie non plus, c'est bon signe. Beaucoup de gens dans l'Empire pourront rejoindre. Glo est en guerre contre France et Ottoman. Alors ça sent la guerre. Ouais, c'est ça. La guerre Ottoman face à Hongrie. La Hongrie est suffisamment faible à leur avis. Alors, ce qu'ils ont mal estimé, c'est que moi je pourrais être motivé pour aller les taper. Et eux, ils ont une guerre avec le Brandebourg. Ah oui, et comme le Brandebourg s'est fait complètement assiéger par sa quoi en fait, les troupes coalisées viennent affronter l'Espagne sur son terrain. Sauf que l'Espagne n'a pas suffisamment de monde pour les battre, je pense. Pour l'instant, ils fuient un peu et puis voilà. Pas aller jusqu'à Tafilet, c'est dommage. Allons sur la côte. Petite vacances en Tunisie. Et c'est retiré. Ah, il y a Malte peut-être dans l'Italie. Ouais, Italie. Mince. Bon, c'est une province espagnole de plus, hein. Ça représente pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'attaque quelqu'un qui soit allié à l'Espagne. Et qu'en mode fourbe, j'aille ramasser les trucs. Faudrait que j'ai un grand score de guerre face à l'Espagne pour m'en sortir. Ils ont l'air de se débrouiller tout seuls. C'est bon. Merci, Ratisbonne et Palatina, de vous être chargé de ce dont j'avais besoin. À mon avis, les Français sont costauds. En ce moment, hop. Donc on va faire un truc comme ça. Mince, ils sont inquiets parce que je fais trop de guerre. Je fais trop de guerre moi? Ça m'étonnerait. Talisma, on peut continuer à gagner des points. 32, 36, parfait. Du coup, j'ai le droit à encore pas mal d'états. Non, on va pas fermer les yeux. Bon, peut-être qu'au niveau de l'état, j'ai plus intérêt. Maintenant que je suis un grand pays, peut-être que je devrais lâcher un point, quitte à ce que les nobles fassent ce qu'ils veulent dans mon dos. Alors, on commence à prendre Birka, Sarouane. J'ai pas fini de revendiquer tout le reste, je pense. Non, clairement pas. Pourtant, je vais probablement plutôt prendre Serres ou Urku que Birka ou Sarouane. Peut-être qu'il m'en faudrait une quand même. Oh!
Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'empereur? Il vient de se refaire. Attendez, quoi? Mais. En conséquence de la dernière guerre, l'empereur a dû révoquer la réforme, instaurer le Reichsregiment, qui avait pour effet renforce la diète impériale. L'empereur obtient. Moi, je lui ai demandé de réformer. De retirer la. Réformer la Wolfreich. Et lui, il a viré instaurer le Reichsregiment. Donc, il en a viré deux. Donc, quelqu'un vient de redemander à l'empereur. Je sais pas qui était en guerre contre l'empereur. Ah, peut-être la Bohême face au Brandebourg. Le Brandebourg étant très faible maintenant. Il a perdu son alliance avec la. Avec l'Espagne. Il a perdu sa guerre de quoi, je pense. Donc, la Bohême va sûrement se servir sur lui. J'ai énormément de points là, sur la Bourgogne, mais j'en ai pas l'utilité. Par contre, je pourrais avoir l'utilité sur eux. Bon, peut-être que je peux salir leur. Hop, voilà, c'est gratuit. Complètement gratuit. Ouais, c'est fini la contre-réforme. Je ne payerai plus de malus sans raison. Voilà. J'ai un peu l'impression de terminer la guerre là. C'est quand même bizarre. On peut les affronter en montagne et tout. On peut en théorie gagner. Hop, c'est gagné. Ah, du coup, il n'y a plus que les Tunisiens. Hop. C'est gagné. On rentre. J'aurais peut-être dû garder quelques points. Tunis 7, Tunis, Bizerte et Susa, royaume du dieu. Et tout le reste, ils se sont bien gavés. Ils se sont bien gavés sur les provinces désertiques. Et moi, j'ai les provinces riches. Ça me convient. Non, si j'avais pas suffisamment de points, j'aurais dû attendre un peu avant de faire la truc. Ou alors, je l'ai converti. Non, on va attendre d'avoir les points pour les légitimer. Et puis voilà. Ça me tente pas tellement de les placer en. Je pense qu'il vaut mieux être les provinces nulles dans les compagnies commerciales et le reste le garder pour soi. Hop. Donc si jamais je garde. Oula mince, une de trop. Enfin deux sur la même case, c'est pas bien. Donc là on grille pair, mais pair doucement face aux Ottomans et la France. Et moi je vais m'arranger pour gagner vite. Mince, je crois que si je passe par là. Je pourrais plus aller jusque là-bas. Parce que je dois avoir le libre. J'ai peut-être le libre passage chez les mêmes. Bon, on va éviter de. On va faire un détour, ça ne coûtera pas grand-chose. On va améliorer nos relations avec eux. Hop, choc, ça c'est fait. Hop, dans des bateaux. On embarque et on débarque en Grèce. Ça m'arrangerait que la Hongrie occupe pas trop de provinces. J'aurais forcément des trucs à ramasser face aux Ottomans. Ottomans, déclarer la guerre avec les Mamelouks. Il y aurait la France, j'en suis bien conscient. Et le but va être de prendre. Uskup. Voilà. Donc on fonce vers Uskup. Ils sont combien les Français? 43 000. Plus que deux de mes armées, quoi. Ça me suffit comme rapport de force. On va aller jusque là-bas. Ici par contre, il y a un fort. Non, il n'y a pas de fort. C'est pas malin ce que vous faites. Non, c'était clairement pas malin. Allez, go sur Constantinople. Ils ont occupé le sud de la Hongrie. Ça se trouve, ils y resteront un moment. Oh mince, je me suis fait choper. Oh, c'est pas ça. Perdu qu'un navire de transport. Heureusement, je m'en suis rendu compte.
qu'avoir une armée de plus côté français serait été pratique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les Mamelouks vont faire des batailles sans mon aide. Ouille. Ah mince, on s'est fait couler. Tant pis. On les tape. Ouais, on a un général meilleur que. Comme ça, en plus, j'ai une armée qui reste sur Constantinople. On va refaire une armée en Italie. Ouais, j'ai largement l'espace militaire pour. Hop. On va en faire deux d'ailleurs, même si ça chevauche un peu. J'espère juste que j'ai pas de soucis du fait qu'il y ait une armée en France. Je pense que je vais en avoir. À la fin du siège de Narbonne. Hop. Oui, j'ai perdu. Je m'y attendais pas. Alors, ça visait de revenir vite pour défendre Constantinople. Hop, il y a eu une bataille en France. J'ai affronté les troupes qui restaient sur place. Elles n'étaient pas assez nombreuses. Allons jusqu'à Auxerrois. J'aurai deux armées qui vont bientôt s'ajouter. Alors là, il y a une armée un peu toute seule. J'ai pas vraiment la force. On va plutôt taper ceux qui vont à Fibli. Ils sont beaucoup moins nombreux, j'en suis conscient. C'est justement pour ça que j'aimerais les taper. Ah, on a fini le siège de Constantinople. Voilà, donc il y a un petit tap. Et ensuite, on va à Uskip. On a une armée qui est finie. Qui va côté français, c'est de là, ils vont à Paris. On va mettre un peu plus le paquet sur la France pour qu'il nous laisse tranquille. Alors là, oula, on n'a pas le général. Non, je peux pas attaquer sans général. Hop, c'est bon, là on a le général avec nous. Allons là plutôt du coup. Là on a 50% de troupes de plus que la bataille d'avant. Ça m'a quand même coûté très cher. Ils sont bons les Ottomans. Drôlement bon. Mince, il y a déjà la Hongrie qui squatte le fort. On va rester là. Ah, on a perdu un siège, mince. Tant pis. Finir le siège de Auxerrois. Auxerrois, là-haut. Là, il y a la Grande-Bretagne. On va changer le général. Enfin, un des générales. Et l'envoyer reprendre mon siège là. Qu'est-ce qui leur est arrivé aux Dawasir? Ils se sont fait siéger, donc ils veulent absolument faire la paix, on dirait. On va rien faire, on va les laisser. Il y a Nadj aussi dans la guerre. Ah oui, Sam Kwe. Donc les Mamelouks ne sont pas tellement occupés des Ottomans, ils sont occupés des micro-pays en dessous. Ils ont que 40 000 hommes là. Alors il y en a qui sont je sais pas où. 35 000 fantassins, non, il doit avoir plus de 40 000 hommes, mais peut-être que je les vois pas avec les taches de sombre. Général être UK2 français, vous ne faites pas le poids. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, c'est pas le cas. Moi je vous le dis, vous ne faites clairement pas le poids. On s'étale un peu sur la France. On a fini Chartrain.
Ah, c'est une province super développée. J'ai occupé plein de machins. C'est ce qui est au sud, je pense. Fin du siège de Paris. C'est mauvais signe pour les Français, ça. Quel score on a? 60%. Je pourrais monter encore. Oups. Français, diplomatie, demander la paix. Si je vous demandais cette côte-là, ça me paraît pas. Il y a zéro province que je demande. J'aimerais bien ça. Ça vous demande 22 de score de guerre de plus. Bon, on va prendre le fort de Haut-Poitou. Voilà. Et là, 14. Je peux me couper, hein, y a pas de souci. Enfin, départager mon armée. Séparer mon armée. Ça les motive. Oh, ils ont gagné des provinces sur la Hongrie. Donc la Hongrie s'est rendue et elle a lâché une, deux, trois provinces. D'accord, bah c'est des provinces que je pourrais prendre du coup. Sans trop de soucis. Toi, tu vas repartir. Sur mon écran, la France est en moyen, mais elle a pris très très cher, donc elle serait capable de me donner plus. Je vais lui demander d'abandonner son alliance avec les Ottomans. Je sais que c'est absolument pas garanti qu'elle tienne sa parole sur le long terme. Hop, 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 hop. Petite vérification. Oula, mince, on pourrait rejoindre la quoi? Bah, c'était un risque. On verra bien. Faudra peut-être que je tape la France rapidement pour éviter de l'avoir dans le coin. La Grande-Bretagne attaque le Brabant. Ou alors la Flandre attaque le Brabant. À mon avis, c'est plutôt ça. On reprend les provinces et la Grande-Bretagne va probablement lui jouer sa guerre. J'avais des Français jusque-là. France s'enchaîne avec une guerre contre Ternate à l'autre bout du monde. Donc les Mamelouks apprécieraient bien de recevoir au moins une province. D'accord. Donnons-leur une province. Hop, hop, hop. On pourrait demander tout ça. Disons que je demande ça en plus. Ils acceptent. Là, ça commence à leur paraître beaucoup. Je comprends bien. Là, il n'y a pas de souci de. C'est de l'autre côté du fleuve. Et je pourrais peut-être demander jusqu'à Saruhen. Sauf que ça me ferait 69% de surexpansion et que je suis déjà à 56 moins, bientôt beaucoup moins. C'est la bonne nouvelle. 49, 40%. Est-ce qu'il y a moyen de faire. Ah, il faudrait encore un peu moins. J'ai revendiqué. Si on leur laisse ça, on peut demander ça en étant à 56%. Ah non, c'est là la surexpansion. Mince, toujours au-dessus de 60. Quelle province j'ai oublié de revendiquer? Cérès par exemple. Là j'aurais 60% tout pile. Le but étant de ne pas passer au-dessus de 100 à tous les prix. Non, bon, on va pas demander Biga. On va se contenter. Ou alors on demande. 60, le truc ça fait 60, 55, 60 c'est un peu trop, 61 c'est beaucoup trop, 56, ouais, j'aimerais prendre Biga quand même. Peut-être qu'à la place de Sofala je peux demander un autre truc, ou à la place de là, non, ah. Non bon j'ai compris, je pourrais pas demander. C'est des provinces que j'ai revendiquées, tout ça, ça m'embêterait de pas les prendre. J'aurais besoin de celle-là pour passer, c'est clair. Edirne, elle représente une bonne taille.
Ouais, je peux demander ça, c'est pas mal quand même. 59,5. Est-ce que je peux me permettre de prendre 59,5? Logiquement, ça fait 100 tout pile. Bon, on va pas pousser le diable, on va juste demander ça. Faut 11 de score de guerre en plus. Pour ça, le plus efficace, ce serait que je sorte. Oh, ils sont justement en train de se battre avec les Mamelouks. Hop, c'est parti, on passe. Oh, les Mamelouks les ont battus! Voilà, bon, maintenant qu'on est passé du bon côté du fleuve, enfin du du fleuve, mer Méditerranée, on devrait pas avoir trop de soucis pour occuper le territoire qu'il faut. On peut demander ça, on pourrait demander plus pour les Mamelouks d'ailleurs. Haleb. Faisons ça. Hop. Bon, les Mamelouks m'auront bien aidé en battant les Ottomans navalement, si je peux dire. Ah, j'ai plus de points. On va mettre un. Oh, il manque un conseiller. J'ai déjà le focus sur les points admin, mais j'avais plus le conseiller. Alors, il me dit qu'il va y avoir des révoltes tunisiens. Tunisiens. Bon, allons sur Gal machin. Arrêtez-vous là. Ah non, on va prendre ceux qui sont à Tari. Mal à distinguer les deux ports. Ils sont vraiment super proches. Elles sont toutes séparées ces armées parce qu'elles ont servi contre la France, tout simplement. Sofia, province bulgare. On va créer la Tunisie d'ailleurs. Ah bah oui, mais si je crée pas la Tunisie, c'est forcément un peu plus compliqué de la convertir. Ça va se faire, ça va se faire. Tunisie, 1,7. Commençons par ceux qui coûtent de la surexpansion, c'est-à-dire Skopje. Je trouve que j'ai vraiment bien coupé en deux. Bon, après, ça déborde un peu, mais si j'avais pas cette province-là, pas cette province-là, pas cette province-là, ça aurait été une belle coupure entre l'est et l'ouest des Balkans. On va commencer à demander des provinces. 22. Oh, 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 j'ai dit oui, moi. Et je pense qu'on va prendre la Slovaquie à 8. Oh, oh, oh. Je pense pas. On va prendre la Slovaquie à la Hongrie. Comparaison 5. Oh. Voilà les Tunisiens. J'ai oublié de prendre mettre un général. Mais ils étaient suffisamment faibles pour qu'on les tue. Ouais, c'est le double de tous ces autres états, la Slovaquie. Non, il y en a bien rentable là-bas. Côté bohémien. L'Afghanistan, oui, il peut passer chez moi l'Afghanistan, ça pose pas de soucis. Pourquoi je perds des sous? Maintenance des missionnaires, 30. Maintenance des armées, 118. 111 pour renfort, ça coûte pas grand chose. Bon, j'ai des quantités d'armées énormes aussi, c'est peut-être pour ça. 240 000 hommes. Enfin, 239 d'ailleurs, il en manque un. D'ailleurs, il faut que je refasse absolument un navire marchand pour le transport. Et on va faire des chébecs, des galères. Pas histoire de battre les grandes flottes de Méditerranée, mais histoire de pas se faire dégommer ses bateaux trop vite. Et histoire d'effrayer quand même un peu les petites flottes.
48, on va faire 49, 50. Bon, j'en avais déjà 5, ouais. 1, 2, 3, 4 et 5 pour avoir juste 60 galères. En théorie, je pourrais en faire encore une cinquantaine. Oh, la bohème a bien grossi. Ils ont toujours leurs 28 000 hommes. Autant que quand ils avaient ces deux territoires-là et ces deux. Enfin, ces quatre territoires-là. Et ces deux territoires-là. Hop. Oh mince. Attendez. Ouais, c'est ça. Et. Ça. Ce service pourrait nous être utile. Prestige, un conseiller moins cher. J'ai envie de le prendre rien que pour le prestige, rien que pour deux de prestige en fait. Peut-être une mauvaise idée. De toute façon, la Russie me déteste déjà, donc son opinion m'importe peu. On a à nouveau plein de bateaux. Autriche va défendre les réformés. Très bien. Ah, j'ai laissé l'Autriche revenir dans la guerre alors je voulais l'attaquer. On ne fera pas la même erreur avec la France, je pense. En 80. Bon, c'est dans longtemps. Par contre, la Hongrie, c'est tout bientôt. Ils ont pas d'option de rejoindre la Croix. Et ils sont alliés à Brandebourg, Autriche et Saxe. Saxe étant l'empereur. Est-ce que j'ai revendiqué toutes les provinces frontalières que j'avais? Oui. De Slovaquie, puisque la Slovaquie, en partie grâce à sa mine d'or, représente le cœur industriel de la Hongrie, paraît-il. Enfin, le cœur richiel, je sais pas si il est industriel. Bohème voudrait que je l'aide contre l'Autriche, sachant que l'Autriche est alliée à la Hongrie. Est-ce que j'ai des revendications sur l'Autriche? Oui, c'est bien. Bah, je crois que ça va être la guerre de fin d'épisode. Oups. J'ai pas un réseau d'espionnage sur l'Autriche, non. Oh là là, j'ai fait beaucoup sur. Fabriquer une revendication sur Genève. Alors qu'ils avaient une province. On va masser 2, 3, 4 troupes en plus. On va accepter. Casus Belli reconquête. On va garder une armée. Non, on va garder deux armées à proximité par là. Oups, bah du coup il y a des bateaux autrichiens. Hop. Sortons tous, ça me convient aussi. Non, envoyons de l'aide, j'ai envie que ça se fasse. Il y a eu des séparatistes français juste au moment où je m'en allais. C'est une bonne nouvelle. On peut rassembler nos bateaux. Et si on a des rebelles. Donc toi tu vas aller en basse Carinthie, toi tu vas aller en haute Carinthie. Toi tu vas aller jusque là, toi tu vas aller. Je sais pas, il y a un ennemi avec nous? Non, là, là il y a un ennemi. Oh, je revendique aussi ces territoires-là, moi. Toi, tu vas aller là-bas. Bon, là, c'est clair que je vais gagner la guerre pour la Bohème. Elle n'est pas capable de gagner toute seule. Surtout qu'il n'y a que elle et moi. Protestant. Ah, il s'est détourné de la vérité. Je m'en fiche. Pas perdu la face, c'est lui qui a perdu des relations avec moi, et tant pis. C'est dommage pour la Poméranie catholique, mais faut savoir choisir, faire le bon choix. Oh, la Hesse est grosse en catholique. Enfin, possède beaucoup de. Ouais, c'est ça. Toutes ces provinces sont catholiques. Il y a un peu plus de diversité dans le Saint-Empire. D'habitude, c'est énormément de protestants, un tout petit peu de réformés,
et des catholiques que aux extrémités. Mais là, les réformés sont devenus très gros grâce à la France. En fait, s'il n'y avait pas la France, ce serait beaucoup plus équilibré. Oh mince, il nous tape. On peut pas se replier. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Oui. C'est complètement abusé ça. Je sais pas comment ça se produit, cette espèce de bug. Mais c'est clairement complètement abusé. Ah. Va bientôt falloir que je m'arrête sur l'épisode, moi. On va se replier, histoire d'avoir le temps de prendre un jet. Non, on va juste se replier, en fait. Toi, tu vas rester près de Vienne. On s'est fait moins une armée, c'est triste. On va récupérer une armée pour gérer les rebelles. Je sais, ils sont en train d'arriver. Hop. Donc là, j'ai pas trop peur de me promener avec les bateaux autrichiens dans la mer. Nous occupons cette partie d'abord. Allons-y. Il y a 50 000 hommes là. Il y a beaucoup de monde qui est en train de siéger la Bohême. Il manque Liens dans les provinces que je souhaite avoir. Est-ce qu'il va à l'autre? Il va en Styrie, ok. Fin du siège de Vienne. Peut-être la bonne occasion pour avancer. J'ai plus qu'un général. Faisons un nouveau. Ça se bat là-bas, mais ça se bat avec un seul soldat. Pas une très bonne idée. Je veux bien vous faire gagner votre guerre, mais il va falloir un moment assurer les gars. Hop, ok, on va tous là-bas. Oh, l'Autriche a wipe une armée, j'ai l'impression. Bonjour, on est nombreux. Normalement, on est suffisamment. C'est gagné. Ok, suivant. Il y a 4 000 hommes. Oh, on les a pas massacrés du premier coup. Beaucoup de monde autour de nous. Mais on est aussi très 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 nombreux. Oh, il y a eu des rebelles, on a eu un peu de chance. C'est gagné. C'est gagné, on a défait toutes les armées. Là. L'épée est plus forte que la plume. J'ai revendiqué les trois provinces là. On va essayer d'en recevoir quand même quelques-unes. Des Grecs. Hop, c'est parti. Et après, on ira là-bas. Ah, juste ici, j'aurai des Ottomans. Parce que c'est des provinces turques. C'est gagné. Ils sont en train de siéger de mon côté, malheureusement. On va essayer de se rassembler par là. Oh. Non, ça m'intéresse pas tant que ça. On va essayer de faire ça plutôt. Hop. Allez, la deuxième armée va faire la différence à la fin. Hop, c'est bon. On va finir un petit coup de main pour se débarrasser des rebelles. Ce côté-là, c'est fini en fait. J'ai une armée qui fait rien. Hop. Prenez le super général. Voilà, c'est fait. Et ensuite. Ah non, on va les garder assemblés. On va chasser nos ennemis. Hop. De ce côté-là, on avance. Il n'y a plus de fort par là. On va siéger par là. Bien voir ce qu'il me donne. Hein. J'ai pas énormément d'espoir.
Ce serait bien qu'il me donne ces trois provinces-là. Et ces deux provinces-là. Je sais, je suis gourmand. Mais ce serait cool de leur part. Voilà, vous croyez que ramener un millier de soldats de plus va changer quelque chose? Au fait que vous allez vous prendre une grosse raclée. Apparemment, il y a la Lorraine qui se bat avec nous. Enfin, contre nous. Siégeant dans la Bohème. La Lorraine, pardon. Trensen est tombé. Suivant. Eux, ils ont pris Neos. C'était la province qu'ils voulaient le plus. Choc. J'ai un truc gratuit que j'avais pas encore pris. Diplomate plus 1. Hop, c'est parti. C'est un des pires trucs que j'ai, je pense. Parce que des diplomates, j'en ai déjà à foison en étant le pape. J'ai l'impression que ta filette a grossi sur Tunis. Au moins d'une province. Peut-être une révolte. Bon, il se serait révolté pour Alger. Pas pour ta filette. Bon, ils sortent la Hongrie s'ils veulent, mais ce serait cool qu'ils le fassent quand même. Il reste des provinces agitées, par là on va se mettre plutôt au milieu. Brisgo est tombé. Il reste qui dans la guerre? Il reste encore pas mal de petits pays qui jouent assurément un rôle. Le score de guerre, un rôle défavorable. Alors on a eu les Serbes. Hop, c'est parti. Fin du siège de la Lorraine. Si c'est un état ennemi. Ouais, en effet. Alors ils sont en train de reprendre toute l'Autriche. Ça m'arrange pas du tout. Mais en même temps, si je siège pas les petits états, on aura pour un moment. Où sont mes bateaux? Là. Allons leur rendre visite. Kassari, ils vont se révolter quand? Dans peut-être longtemps. Oh, très longtemps même. Ah si, non, pas tellement. Allons par là, de ce côté-là. Oh, c'est tombé. Génial. Oh, et ça aussi. Ok, on va avoir les armées nécessaires. On a fini un siège de plus, ça me donne envie d'aller leur passer le bonjour. Hongrie cède Ratibor et Opole à Bohème. Hongrie a donné tous les traités conclus avec Brandebourg et Autriche et y verse 1000 à Bohème. Ils sont sérieux les gens. Ils ne donnent rien du tout, rien, rien, rien. Je crois qu'on va faire la paix en demandant plein de trucs et qu'ils aillent... On va terminer l'épisode avec une paix sans mon allié, puisque mon allié a l'air de n'en faire qu'à sa tête. M'a rien donné sur la Hongrie, quoi. Rien du tout. Alors je comprends l'histoire de quoi, blablabla, mais en fait, je fais ce que je veux. On va prendre une province dans l'état de la Suisse plutôt. Celle-là, et ça, c'est dans quels états? Dans le Tyrol, j'ai déjà. Et dans l'Autriche inférieure, j'ai pas encore, mais je vais le faire. C'est parti, choc. J'espère juste que j'ai pas surpassé mon... Non, c'est bon, j'avais légitimé tout le reste. Hop. Un de réputation diplomatique, on va prendre, histoire de pas avoir de relations ultra pourries avec nos ennemis, mais juste, juste bien pourries. Et on est bon. Ouais, j'ai aussi pris ces deux provinces là. Non, j'ai pu me servir beaucoup sur eux. En partie parce que ils sont hérétiques, ce qui m'arrange bien. On rassemble nos troupes et je vous laisse. Jusqu'au prochain épisode, évidemment. Voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu.